Bonjour, bonjour amis colons, bienvenue dans ce nouvel épisode, cette suite de campagne à ciné temporée avec un scénario un peu particulier puisque seulement inspiré de l'évasion, qui est une mission d'exploration. Alors, inspiré, j'avais dit, mais je ne fais pas toujours ce que je dis, hein, que je ne rejouerai pas les scénarios d'exploration, ces missions-là, pour ne pas avoir à refaire les mêmes choses, ce que je n'aime pas, mais c'était sans oublier que l'on peut faire les variantes que l'on souhaite. Donc je reprends la base, la mise en place de l'évasion. On part de la zone ici complètement à droite, et on doit rejoindre le Little Genesis pour pouvoir s'échapper, au moins deux d'entre nous. Je ne me donne pas de limite de temps sur le momentum, ce sera... Quitte à ramper, ce sera jusqu'au bout pour essayer d'atteindre notre vaisseau d'évacuation. De même, que sont introduits pour la première fois sur la chaîne les gardes du temple? Alors non, pas de figurines. Bizarrement, pour la carte ennemie, les gardes du temple, ainsi que la version évoluée, ils n'ont pas mis les figurines. Juste des jetons que je viens de placer sur des socles bêtement plastiques. Bon, ça fera l'affaire hein, pour ce scénario. Par contre, je trouve ça dommage de ne pas avoir prévu les figurines dans la boîte de base alors qu'ils nous collent ces ennemis-là à tirer. En plus, ce sont des tirages aléatoires pour la plupart hein, quand on fait une mise en place de scénario d'exploration. Il y en a quand même un paquet. Et ça veut dire que tirage aléatoire, ils sont à même de sortir assez souvent. Et ils ont préféré mettre les figurines des gardes du temple dans une boîte d'extension. Est-ce que c'est un problème de place dans la boîte? J'en sais rien. Bon, toujours est-il que je vais m'en méfier de cela parce qu'ils ont un enchaînement pour 4 points d'attaque sur 5, 4 points d'action sur 5, que au corps à corps par contre. Ça, c'est peut-être un avantage pour nous, sauf que ça implique saignement à chaque fois. Frappe vicieuse, on a le symbole saignement, et là, on a le mot-clé saignement. Donc, assez méchant. Mais encore une fois, le fait que ça ne soit qu'au corps à corps, ça pourrait nous sauver la vie. Ce que je crains, par contre, c'est qu'ils sont quand même quatre, ces élites. C'est pas rien, hein. Quand je vois les autres, les chasseurs élites, et puis les faucheurs. Je les ai toujours sous-estimés. Tiens, en parlant d'autres figurines, ces deux-là, on n'en tient pas compte, hein, c'est juste pour le décor. On fuit devant leurs remparts, les remparts de l'Inde, enfin remparts, c'est un bien gros mot, les rondins de bois d'un de leurs camps, et on se précipite pour se faire évacuer. Attention, je ne mets pas volontairement d'éléments scéniques. Chaque chose en son temps, là je découvre la façon de jouer avec les gardes du temple, donc je ne veux pas me surcharger. Étant solo, là ce sera déjà pas trop mal. Par contre, nous avons événement. Alors événement, je les réintègre. Ah, je ne veux pas voir qui tu es, toi. Je les réintègre et je vous rappelle que c'est en mode legacy. Un événement joué est un événement qui ne réapparaîtra pas. Toi. Aïe, événement fâcheux. Piocher immédiatement deux cartes événements supplémentaires et appliquer les effets des deux cartes. Ok, ça va tourner super vite. Allez, toi, on ne te reverra pas. Par contre, j'en pioche deux. Pourquoi je me punis comme ça? Silence morbide. Aucun effet. Attaquer cette mission sans surprise. Et je m'en tire bien parce que deux cartes piochées égale deux cartes où il ne se passe rien, ça veut dire que je n'aurai qu'un événement classique peut-être à appliquer. Ah waouh, il n'en reste plus que pas beaucoup. Ah ouais, alors ça veut dire qu'il va falloir que je remélange peut-être un moment ou un autre. Je verrai comment ça se passe. Là, j'ai encore deux, quatre. J'aurai encore quatre missions à faire. Avec événement. Allez toi. Ah, j'ai hésité. Ah si, c'est bon. Aucun effet. Attaquer cette mission sans surprise. Waouh! Waouh. Eh bien les amis, pour un dimanche matin, quelle heure est-il? 8h moins 5 sur Primevus 5, justement. Premier tirage bien. Ça n'augure peut-être rien de bon sur les tirages 2D alors.
On ne peut pas tout le temps avoir de la chatounette comme ça à tire-larigot. Ces quatre-là, je les mets de côté. Ils seront bien sûr à réutiliser pour les prochaines missions. Et E placement. Est-ce que je maintiens ce placement-là? Ça, j'y ai pas encore fait gaffe, à vrai dire. Surtout avec la reconnaissance d'ACAB, une unité alliée peut être placée dans un rayon de 3 cases de la zone de déploiement. Alors peut-être que si ACAB, lui, maintenant, il a son armure de fou, il se protège à 3D, s'il arrive à monopoliser l'attention de ces deux gardes-là, bah, il va pas pouvoir, hein. Les deux, là, ça va être un peu compliqué. Au moins en bloquer un. Un, deux, trois. Ah, trois cases, il peut même se mettre là pour faire ses attaques. Ou alors, je le place ici. Ce serait peut-être bien parce que dans ma façon de faire agir les ennemis, ils viendront au plus près. Auquel cas, Jukas, tu passes là pour longer ici et puis faire du corps à corps sur celui-là. Andromeda à distance peut ratisser large et Alexandra à distance peut ratisser large. Sachant qu'Alexandra va devoir rester près de Jukas et de ACAB, enfin au moins dans un rayon de 3 cases pour les soins. Andromeda, c'est particulier. Oh ma cocotte, qu'est-ce que je t'ai collé entre les jambes là, regardez-moi ça. J'avais oublié. Ah oui, mais oui, c'est un jeton relance qu'elle a automatiquement au début de cette mission parce qu'elle est passée par l'une des salles sur le Genesis lors de la dernière phase de colonie et ça lui permettait de démarrer avec ce jeton de relance. Très très bien. Bon, sur leur dashboard là, on voit, enfin non, là ce sont des datapads. On voit qu'ils ont 1, 2, 3, 4 compétences chacun maintenant. Ça va commencer à faire beaucoup pour s'en rappeler en cours de scénario. Jukas, ah oui, non, j'avais pas dépensé pour Jukas, estimant que ben, j'avais rien trouvé bien dans l'immédiat. Bon, bah écoutez, je crois que cette introduction est maintenant terminée. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier ? Ah bah si, de recharger à fond l'appareil. Je vois que je vais pas aller très très loin. Bon, c'est pas grave, je pourrais le brancher et puis continuer de filmer. On y va comme ça. En commençant, alors sur le momentum, je vous l'ai dit, hein, je ne m'octroie pas de limite de temps en cycle et en phase. D'ailleurs, on va pas s'embêter la vie. Je démarre en quoi? Bah je démarre en peu importe. En 2-4. Et puis advienne que pourra, ça va être la course effrénée vers cette, pas sortie, mais vers ce vaisseau. Donc dans l'ordre, que je me souvienne de tout, j'active, parce que c'est le plus rapide de tous les chefs, ACAB. Support tactique, non. Ah si, ça il peut le faire. Ça c'est pas mal, bien sûr. Il est concentré durant la phase de jeton. Le héros reçoit un jeton relance. Oui, c'est ça, un jeton relance, déjà. C'est pour ça qu'à la dernière phase de colonie, j'avais pris cette concentration pour lui. Tacticien. Ah ouais, ça, je l'utilise pas. Hein. Le périlium, je l'ai viré puisque je privilégie de faire agir les ennemis au mieux de leurs intérêts. Bon. La cab. Qu'est-ce que tu nous fais? T'as une arme à distance hein, avec ton tir de lame, la portée 4. Donc portée 4, 1, 2, 3, 4, et puis 4 ici. Par contre, dès que tu vas agir et que tu dépasses, ça va les faire réagir. Bah, c'est peut-être pas un mal, il va s'en prendre plein la gueule dès le premier tour. Je sens la connerie arriver d'une force. Ou alors il fait un déplacement et un enchaînement, puisque eux aussi s'amusent à enchaîner comme des porcs. Ouais, alors c'est débile. Ça me coûte 4, faut que je me déplace de 2. Autant faire 1, 2, 3. Ouais, il faudra que je me déplace. Allez, déplace-toi de ça. 1, 2.
mets face à lui. Et puis tu le tabasses. En défense, ah ouais, alors en défense, eux, ils se protègent à la fois en physique et en esprit. Et ils ont 5 points de vie. Hein. Ça n'est pas rien. Bon, Akab, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je vais d'abord faire les balles pour son tir de lame. Donc, tu nous fais quoi? Seulement 4 dés et il te faut des balles. Ah, oh! Oh, pardon. 1, 2, 3. Son arme ne donne pas de relance, ne donne pas de choses particulières. Sa concentration, il l'a, faut que je pense éventuellement à la cramer. Bah, c'est bien. On a dit moins 1 de protection en physique. On a dit aussi qu'il avait agi pour 1, 2, 3, ça provoque une réaction que je n'oublie pas. Et ce qui est bien tout de suite là maintenant, c'est qu'il provoque 2 blessures. Ah ouais, il y a un autre truc qui va pas être trop mal, c'est que sur leur carte garde du temple, ils n'ont pas de réaction en fonction de leur placement sur le momentum. Rouge, vert ou bleu. Hein, pour ces symboles-là. Donc, on est dans du soft pour l'instant. Je finis son action, ça c'est important. Maintenant, il a toujours une attaque de corps à corps, mais il rajoute plus 2 dés. Il passe à 5 dés, et cette fois-ci, ce serait très très utile d'obtenir des points. Oh, ah, ouf, ouais. Là, j'ai 2 points. Je vais cramer une relance. Et non. Un de protection physique. Un dégât supplémentaire. Donc, ça y est, 3 dégâts sur 5 sur le premier. Eh ben, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt correct pour ton premier tour. Sauf que sur le momentum, c'est pas 3 qu'il a fait. C'est 1, 2, 3. 4 plus 2 de déplacement. Donc il a tout cramé, bien sûr. Maintenant, on en vient à leur réaction. Alors là, par contre, ça va peut-être être moins drôle. Je vais commencer par le plus loin. Ils ont une vue de... C'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Ils ne voient que sur 3, mais ils sont à moitié aveugles, nos gardes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, bah pardon. Tu sais quoi, toi, tu vas faire pas bouger. Gentil, pas bouger. Lui, par contre, il m'attaque. Alors, j'appelle mes dés de... Oh! Mes dés de protection. Je suis immunisé au saignement et... Les gardes font saignement. Ah bah c'est parfait ça. Très très bien. Alors, sur sa première attaque, déjà il se déplace de 5. Ah non, pardon, c'est une réaction, il ne bouge pas. J'ai rien dit. En tout cas, sur sa première attaque, je me protège avec explosion et équipement. Ouh! Explosion et équipement. L'explosion, c'est le symbole le plus rare. Il n'y a qu'une face par dé. J'ai une explosion, un équipement. Je ne prends rien sur sa première attaque lame rituelle. Par contre, sur sa frappe rapide, je me protège au poing et au bouclier. Au poing et au bouclier. Ah, il veut pas. Ah non, mais carrément pas là. J'ai cramé ma relance. Pas de boubou. Ah si, ça c'est un bouclier, pardon. Par contre, pas de points. Bon, Akab, première blessure. Et c'est carrément correct. Bien, je remballe ceci, cela. Akab, t'as bien joué. Maintenant, tes trois petits camarades qui ont une valeur équivalente d'action. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça change un petit peu tout ça? 1, 2, ah là là, lui il va être loin de tout à chaque fois.
Tiens, je pensais à une chose. Lui a attaqué Akab au corps à corps. Il est engagé. Ils sont comme ça. Il y a une pénalité s'il devait se désengager. On va peut-être faire jouer tout de suite Jukas. Alors, Jukas, au début de sa phase de jeton, il en donne un à Andromeda. Ah, attention, il ne faut pas qu'elle en ait déjà un, je crois. Hein. Et oui, c'est ça. Il en donne un que si ses potes n'en ont pas. Donc, seulement Alexandra. Puisque Andromeda commence avec. Après. Jukas, je te fais jouer tout de suite. 1, 2, 3, 4. Voilà, toi tu vas longer, à moins que. Qu'est-ce que je lui avais donné comme autre. Il peut ralentir, il a un venin psychique pour ses attaques psioniques. Ralentissement, ça coûte 2 points d'action. Ah ouais. Dans un rayon de 6 cases, mais ça lui donne les jetons Oblivion. Non, on va peut-être pas commencer par ça. Allez, gagne du terrain. Écoute, ce sera peut-être toi qui ira au vaisseau le premier. Là, pour l'instant, tu sers pas à grand-chose. Je suis bien navré de te le dire. 1, 2, 3, 4. Ouais, je sais pas quoi faire avec lui. 1, 2, 3, 4. Alors, il dépasse les kids, mais. Oh! Eh, attention! Petit rembobinage. Pourquoi? Parce que les Sprigans, ouais, ce sont pas des kids, ce sont les Sprigans. Mais mine de rien, ils sont pas si loin que ça de Akab. Hein. Lui réagit aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, il va loin aussi, lui. Eux ont une visibilité sur 8. Donc, Akab, je suis vraiment navré. Désolé, mais je reviens vers toi pour te dire que ces deux-là réagissent aussi à ton action de tout à l'heure. En plus, ils n'ont pas besoin de bouger. On se protège avec des balles. Aha! Et ce serait bien d'avoir une explosion. Bon, lui, il a toujours ses 6 dés. 2, 4, 6. Il protège avec des balles. Là, j'ai seulement une protection. Donc, il se reprend un point de dégâts. Deuxième tir. Il se protège avec. Ah, ça, c'est bien. Deux balles. Oh, il y a même carrément deux explosions. C'est un ravage. Non seulement il se protège, mais en plus celui-ci se fait exploser la tête. Alouette. Eh ben, j'ai eu bien fait de les faire réagir. Bon, de toute façon, c'était les règles, donc il n'y a pas de problème. Par contre, il inflige faiblesse. Ça, j'y ai droit puisqu'il m'a blessé. Alors, la faiblesse, qu'est-ce que c'est que déjà ça? Ah oui, c'est une blessure, quels que soient les succès obtenus. Parce que c'est de la petite arme de rien du tout. Bon, les plus chiants, donc ça va bien être les gardes du temple. Je reviens sur Jukas, qui a fait un tour mémorable en faisant 4 de déplacement. Maintenant, est-ce que l'on bourrine Alexandra, elle est dans le soin, donc on fait 1, 2, 3, elle vient ici, il faut absolument qu'elle soutienne Akab. Premier soin, ça lui coûte 2, elle lance les 5 dés sur tous les symboles saignement dans un rayon de 3 cases, elle soigne. Ouais. Ah ouais, petite forme, hein. Alexandra ce matin, elle ne lui retire qu'une blessure. Il tombe à 1 sur 5. Bon, certes, 1, 2, 3, 4, 5, et elle crapahute. Ok. Peut mieux faire, mais c'est un tour de chauffe. Est-ce que j'ai peut-être intérêt quand même à virer la relance là? Elle est proche de Jukas, donc ouais, vas-y, rejette un dé.
Oui, c'est bon. Akab est complètement soignée. Parfait. Qu'est-ce qu'elle avait d'autre? Explosion neurale, c'est sur un tir. Saignement, c'est sur un tir. Et le reste, on s'en fiche. Oh là, faut que je pense que les gardes vont lâcher du butin éventuellement. Nous reste Alexandra. J'ai l'impression d'avoir oublié un Spriggan sur le terrain. Il n'y en avait vraiment que trois. Ouais, 1, 2, 3 verts. Ok, non, bah on est bon. Ça fait peu, mais bon, c'est mon intérêt aussi, hein. J'ai dit qui? Andromeda. Alors, elle. Concentration durant la phase des jetons, elle reçoit un jeton relance, ça lui en fait 2 sur 3 max. Elle peut clouer sur son attaque basique, mais pour ça, il faut obtenir 3 flèches. Une fois jamais, quoi. Et elle peut scinder son tir et elle est gynoïde. Bon, ouais. Son arme, le Mors Pretiosia, tire sur combien? 2 à 6, correct. Ah ouais, 2 à 6, c'est large et ça lui coûte 3, donc baf. Vas-y, hein, fonce. Tu fais ça. Alors, on est d'accord qu'il n'y a aucun. Aucune capacité de soin, donc tout ce qui est pris en dégâts, on est sûr que ce sera conservé. Considérons que à eux deux, prochain tour, ils le finissent. Donc ce serait bien qu'elle entame sérieusement celui-ci. Est-ce que c'est dans tes cordes? Il voit 3, 1, 2, 3, il ne peut même pas réagir à son action. Ah ben ça, c'est extraordinaire. Allez, tu nous fais 1, 2, 3, 4, 5. Tu rejoins Alexandra sur le momentum. Ton ATB te donne 2 dés en plus. Ta précision, c'est 3. Allez, tu le pourris. Tu le pourris en obtenant, s'il te plaît, des balles. Il y a 2 balles. N'oublions pas qu'elle peut faire une attaque soutenue avec 1, 2. Allez. Et 2 des sup. Non. Non, non, non. Refusé. Elle en a encore un. Elle peut recommencer. Qu'est-ce que j'avais besoin, moi? De quoi s'agissait-il? De balles. Ah, d'accord. Ok, il va falloir entretenir ton arme. Ça nous fait seulement une seule blessure parce que. Il a une protection au physique. Ah, je vais pas dire qu'ils sont ultra blindés, mais ah, attendez, je crame 2 relances. Allez, on y va. Je n'hésite pas. Si je crame 2 relances, bah, ça me permet de rejeter 2 dés qui étaient foireux. Bah, je viens de le dire. Je viens de vous l'annoncer, si les dés étaient foireux, je vais pas refaire des choses mirobolantes. Bon, elle a lancé quand même 5, 6, 7, 8, 9, 10 dés, hein. 10 dés pour ne faire qu'une seule blessure. Si ça, c'est pas ultra méchant. Par contre, elle peut. Ah, j'ai pas contrôlé les flèches. Qu'est-ce que je viens de retirer là? J'ai tout tripoté comme un gros goré. J'ai 2 flèches ici. Bon, allez, je l'applique pas, mais il faudra que j'y pense. Ah, je suis en train de m'auto-couillonner. Soyons beaux joueurs. Bon, Andromeda, merci. Ça a été bien. On en vient aux Spriggans. Alors, eux se déplacent de 4. Alors toi, tu n'agis pas. Par contre, ils sont coureurs. Ah non, tiens, ils sont pas coureurs, eux. Tireurs et escalade. Ah, ben oui, c'est la version Baby Spriggan. Donc, 1, 2, 3, 4. Ah bah tiens, tu vas appliquer la même méthode que Jucas et tu vas ratisser large. Avec ta distance de 8, là, tu vas pouvoir les pourrir. C'est pas mal. Toi, on a dit non. Toi, on a dit 1, 2, 3, 4. Oula! Oulala! Ensuite, à vous. Alors, à vous, non, pardon.
Toi, tu avais réagi, tu ne bouges pas. Toi, par contre, tu joues. Et toi, tu joues au corps à corps. Ah, tu vas aller pourrir Andromeda. Parce qu'Andromeda avec son arme. Ah ouais, ça, j'avais pas calculé comme ça. Mais Andromeda avec son arme, elle est obligée d'être à au moins 1 de distance. Donc lui, son intérêt, ça va être de faire 1, 2, 3. De l'engager au corps à corps avec sa frappe rapide qui ne coûte que 2. Ah l'enfoiré! Ah l'enfoiré celui-là. Andromeda se protège avec. Eh bien, avec du physique. Et par contre, elle ne pourra pas utiliser son drone parce qu'il est immunisé à la fonction de résistance. Ah ouais! Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Bon, bah 3 et 1, 4 dés de défense. Ce qui n'est pas exceptionnel. Et elle doit faire des points et des boucliers. Ah, tiens, c'est bien ça. Point, 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 point. Point trop d'en faux. Par contre, pas de bouclier. Elle se prend un dégât. Plus, ça va pas s'arrêter là l'histoire. Plus le saignement, on a dit. Un jeton saignement. Et le saignement, je ne me rappelle jamais ce que c'est. C'est ça déjà, d'une part, ça c'est facile. Mais c'est on perd un. Enfin, on se prend une blessure à un moment ou à un autre. Bon, après, que ce soit au début de l'activation ou à la fin de l'activation, le principal, c'est de l'appliquer. Une blessure à la fin de son activation et on défausse. C'est d'une logique, mais c'est dans tous les jeux comme ça. Bon, eux là, il faudrait peut-être qu'ils jouent aussi. Ils se déplacent de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bah tiens, 1, 2, 3, 4, 5. Alors eux, ils bourrinent. Ah ouais, ça y est, deuxième tour, ça va être l'anarchie totale là. C'est bien quand ils sont loin. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ils ne font aucune attaque à distance, on est bien d'accord. Mais par contre, Andromeda, elle aussi, se retrouve à être empêtrée dans un corps à corps, sans possibilité facilement de s'en dégager. Ouais, Alexandra, j'espère que tu vas soutenir en soin comme une dingue. Et fin de quoi? La fin du tour de tout le monde, là, le premier tour. Ah oui, tiens d'ailleurs. Ouais, ceci dit, si j'ai pas de pénalité de temps, ça sert pas à grand chose. Mais bon, pour la beauté du geste, autant l'utiliser. On revient à Akab. Akab qui, lors de la phase des jetons, fait une petite distribution à Jukas, pardon. Distribue à Akab, distribue à Alexandra et c'est tout. Ensuite, lui, il attaque avec son fléau, là, fléau d'énergie, au corps à corps ou à une case de distance. Et là où c'est intéressant, bien sûr, c'est qu'il peut empoisonner. Ah! Ah ouais! Il peut empoisonner. Donc, ce qui serait peut-être bien s'il vient là, il va faire réagir ces deux-là, il va s'en prendre plein la tronche. Alors que s'il va, Akab bloque leur ligne de vue. Bon, on fait ça. Reste ici et puis attaque ce garde. Mais alors, tu nous fais un truc génial, hein. Il a donc le venin si ça se transforme en attaque psychique. On y va? Pourquoi il avait un jeton Oblivion? Non, ça c'est vieux ça. Allons, allons. Tiens d'ailleurs, tout à l'heure, qu'est-ce qu'il avait fait? Non, il s'était juste déplacé. Parfait. Allez, on reprend. T'as 2 en attaque sur ton arme, plus 2 pas en précision, plus 2 en physique. Tu dois nous faire des points ou de l'esprit. Ça se transforme donc en attaque psychique.
Si c'est le cas, alors déjà, il se prend un jeton Oblivion qu'il place sur son casque du vide. Ça, c'est le jeton gratuit avec sa carapace mentale. Maintenant, les dégâts. Le garde est immunisé à quoi? À rien. Très bien. Sauf qu'il a une protection à l'esprit. Jukas, il n'a pas plus de jetons relance. Non. C'est dommage. Ensuite, eh bien, il provoque le poison. Alors, le poison, c'est pas comme un saignement, c'est juste que c'est quand on le rattaque, cet ennemi, on a le droit de relancer un dé. Ce ne sera pas des dégâts automatiques. Et en parlant de dégâts, grâce à au moins un symbole esprit, il ne lui fait qu'une blessure, il a 4 sur 5. Jukas a fait 1, 2, 3. Ferait réagir éventuellement l'esprit gant, mais j'ai dit que leur ligne de vue était bouchée. Donc, niette, je l'ai dit ou pas? Alors, ici, oui. Ça traverse à cab. Ici, ben, ça traverse à cab aussi. Bon, c'est bon. Qu'est-ce que j'aurais oublié avec son arme là? Non, ben, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Il a fait une attaque à 3. Il lui resterait 2. Est-ce qu'il fait un ralentissement? Mais ça lui colle de l'oblivion. Je sais pas pourquoi je le sens pas, l'oblivion, là, sur cette partie. Ça donne un jeton ralenti. Et comme c'est une attaque psionique, il n'y a pas besoin de ligne de vue. C'est un rayon de 6 cases. Et ouais. Le ralentissement. Je vérifie quand même l'histoire du ralentissement. Que je n'ai pas acheté ça pour rien. Alors, petit escargot. Une unité avec ce jeton doit dépenser un point d'action supplémentaire pour chaque action. Ça disparaît à la fin de l'activation. Bon. Non, allez, je vais pas le faire pour l'instant. Je vais pas me gaver de jetons Oblivion, en fait, pour pouvoir espérer finir à peu près bien. Donc toi, on a dit que tu étais à 4. C'est correct. Merci, Jukas. Donc je ne l'avance pas plus sur le momentum. Il garde ses deux autres points, d'accord. Maintenant, l'esprit gant n'ont que 4 en activation. C'est ou Alexandra ou Andromeda. Andromeda, elle est empêtrée au corps à corps. Alors ça, c'est pas cool. Donc je vais faire agir Alexandra qui a un jeton relance. Premier soin, non. Ses attaques provoquent saignement. Ok. En plus des autres effets, elle peut faire une explosion neurale. Ah ouais, une blessure supplémentaire. Waouh. Eh mais Alexandra va devenir un monstre au tir. En parlant de tir, ton arme, c'est. Ça te donne plus 2. Donc elle lance 5 dés. Ah ouais, puis elle a les relances. Elle va viser celui-là. Parfaite ligne de vue. 5D et elle doit obtenir des balles, elle relance à l'esprit. 5D, elle doit obtenir des balles et de 2, elle relance à l'esprit. Donc un esprit là, elle fait une relance sur ce dé. Foireux. Elle consomme son jeton relance pour relancer celui-là. Foireux, un dé ne peut être relancé qu'une fois, donc avec l'esprit, elle ne peut pas le relancer. Bon, c'est petit. 1, 2, 3, avant que je n'oublie. C'est petit parce que le garde se protège au physique, donc pour l'instant, il ne se prend qu'une blessure. Mais, chose intéressante, elle fait une explosion neurale. Si elle inflige au moins une blessure avec une attaque à distance, on inflige une blessure supplémentaire. Ça ne marche pas contre les éléments scéniques logiques. Lui, il est à 3 sur 5. Eh bien, c'est correct. C'est très correct. Et qu'est-ce que j'aurais d'autre? Ah bah, si, 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 le...
comment le saignement. Alors lui, pour le coup, c'est bien, il va vraiment se prendre une blessure en plus pour son activation. Écoute, Alexandra, moi je dis que tu as bien joué. Est-ce qu'elle se déplace par contre? Elle vient de dépasser les Sprigans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, elle n'est pas dans la ligne de vue parce que ça traverse encore Akab. Est-ce qu'elle a intérêt à se déplacer? Ben non, parce que sinon elle sera dans la ligne de vue des Sprigans. Ou alors, pour gagner ne serait-ce qu'un chouille, elle fait ça. Alors attention, non, elle peut pas tirer. Ah, elle est obligée de tirer à au moins deux. Ah ben si, c'est bon. 1, 2. Donc elle peut se mettre là, cachée avec ses potes, et puis elle regarde ce qui se passe autour d'elle. Eux, ils doivent être verts, là, derrière la palissade. Ils doivent être complètement verts de ne pas pouvoir intervenir. Et bah tant pis pour vous. Je viens de la déplacer de seulement 1. Donc elle vient ici. Maintenant, Andromeda. Alors là, par contre, c'est moins drôle. Déjà, je lui colle son point de dégâts tout de suite. Andromeda, elle passe à 2 sur 6. Je lui enlève ce jeton-là. Elle est engagée au corps à corps. Qu'est-ce qu'elle va faire là tout net? C'est pas cool. Et pour se désengager, je crois que ça coûte 2 points. Elle fait 1, 2. Crac. Et quand elle se désengage, elle subit une attaque. Ouais, c'est ça. Hein. Elle est obligée de se prendre une attaque en réaction. Enfin, c'est pas une réaction, c'est pas vraiment ça. Je la déplace tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je la déplace de 5 parce que maintenant elle va tirer. Alors, dans l'ordre, je vais finir son tir et je vais faire l'action de son désengagement. Ouais, allez, le tir, bien sûr, d'abord. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que je viens d'activer, là? Titinette. Titinette Andromeda. Ne pas oublier quand même qu'elle a le droit à son jeton de concentration relance. Et puis, elle a le droit de scinder son tir. Non, ce serait full sur sa tronche à lui. Elle peut le clouer par contre. Ah oui, alors c'est ce que j'ai oublié tout à l'heure. Bon, 3, 4, 5. 5 dés. S'il te plaît, des balles. Attaque soutenue avec équipement. Oh, 3 attaques soutenues. Une seule balle. Au max, je peux lancer 4 dés supplémentaires d'attaque soutenue. Alors, qu'on fasse ça. Les 3 dés sont là. Une balle ici. De nouveau, une attaque soutenue là. Donc, je rejette un seul dé seulement. Pas de balle. Consomme donc ta relance pour refaire un dé. Alors, un des dés. Oh, t'abuses. Tu abuses quand même un petit peu, hein. C'est pas possible. Alors, attention, si c'est bien. C'est bien, Madame Andromeda, parce que quoi? Tu lui fais une seule blessure, puisqu'il est protégé au physique, le garde. Il passe à 4, mais avec son saignement, il va dégager. Bien. Tout ça, c'était quoi? C'était pour dire que le tir scindé, non, il n'y avait pas d'intérêt. Elle peut le clouer. J'ai combien? Tiens, j'ai encore oublié. C'est dingue. Non, mais j'ai pas 3 flèches. Là, j'en ai 2. Donc, elle ne peut pas le clouer. Bah, décidément, ça va pas sortir si facilement que ça. Andromeda, c'est fait. Mais maintenant, par contre, faut pas que j'oublie qu'elle se prend une attaque gratuite. Donc... Elle se protège avec 4 dés.
Et lui, s'il fait en réaction, bah, on va se protéger avec. Avec quoi? Je sais pas. Bah, c'est pareil. Allez, explosion, équipement. Explosion. Et pas équipement. Donc, elle passe à 3 blessures sur 6. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même, ça va super vite. Oui, je l'avais déplacée, Andromeda. Donc, elle n'est plus engagée. Parfait. Si Andromeda a joué, je passe donc au Spriggan qui se déplace de 1, 2, 3, 4. Ah, alors, les Spriggans, eux, ils vont faire une attaque de malade. Bah, toi, t'as pas besoin de bouger, mon petit gars. 1, 2, 3, 4, 5. Attends, ça y est, je me remets à confondre la portée des armes. Ah bah non, ils peuvent tirer jusqu'à 8 de distance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, ils s'autorisent même à reculer. Lui, il s'autorise à venir là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, reste là. Au contraire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Tu fais ça, donc les deux là, cible à cab, oh purée. Protection avec des balles, et ce serait bien qu'ils explosent. Alors à cab, c'est Monsieur Tank blindé. J'ai dit protection avec des balles. Premier tir, il se protège et j'ai un symbole explosion. Boum. Quand votre Spriggan fait boum, tout avec lui dit boum, seconde attaque. Je me protège avec des balles et j'ai un. Oh la vache, bah oui, mais plus on jette de dés, plus on est à même de les éliminer. Allez, regardez bien l'histoire en direct. C'est ça ce qui se passe. Alors, non, personne ne lâche de butin parce que ce sont de petits ennemis. Les Spriggans viennent de jouer, je les ai déplacés. Sur le momentum, on refait avec Akab. Akab qui, grâce à sa concentration, récupère un deuxième jeton relance. Bon, là, faut tout donner, mon gars. Hein. Quand je dis tout donner, mon gars, faut y aller. Alors, engagé au corps à corps. Je le laisse là. On va tenter un enchaînement du diable avec 4. Quoi 4? Oui, ça lui coûte 4. 1, 2, 3, 4. Au passage, je retire le jeton Spriggan sur le momentum. Je viens de déplacer. Il y aura une réaction de la part de tous nos amis. Quoique. 1, 2, 3. Oui, oh purée, on va perdre à câble. Une réaction, 1, 2, 3, lui ne réagit pas. 1, 2, 3, lui va réagir et lui, bien sûr, va réagir. Oh purée. Bon, tu vas nous tenter quand même de faire une élimination. Ah ouais, plus qu'un point de dégâts. Il est empoisonné, j'ai le droit de relancer une fois. Ce sont bien deux attaques au corps à corps. Ma première attaque, c'est avec 4 dés, la seconde avec 5. La première attaque 4 dés pour des balles. Oh, bon, super. L'empoisonnement fait que je peux relancer un dé. Oh, pop, 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 pop. Comment il se démène comme un gros goré. Voilà. Lui, non seulement il est éliminé, mais en plus, il nous lâche un chouette butin. On verra si c'est bah si c'est chouette. Il n'est plus engagé au corps à corps. Lui ne réagira pas. Sa seconde attaque est perdue, mais par contre, il lui reste quand même 2 points pour se déplacer. Bah, quitte à ce qu'il s'en prenne plein la tronche avec tout cela. Ah non, ça va changer l'affaire. Je lui finis son action, hein, comme je l'ai dit il y a quelque temps dans ma façon de gérer les réactions. C'est
C'est une petite variante que je fais, c'est-à-dire que je finis l'activation de mon gars et après je fais les réactions. Ça peut avoir un intérêt si je fais 1, 2. Parce que maintenant, le fait de 1, 2, 3, de m'éloigner de celui-ci, 1, 2, 3, de m'éloigner de celui-là, 1, 2, 3, il n'y a que lui qui vient m'attaquer au corps à corps. Alors, oh ouais, il réagit. Je ne vais pas le mettre là. Ce n'est pas son avantage parce qu'il va être sous le feu des autres. Donc, je le mets bien ici. Toi, tu as réagi. Je ne te bouge pas sur le momentum, bien sûr. Mais par contre, à cab, alors 3D, on a dit, enfin 6 en tout. Il a 5. Il s'est déplacé 2 pour engager au corps à corps, sachant qu'il n'a pas d'allonge, donc il est obligé de coller à cab. Ah ouais, alors, c'est pas trop à son avantage parce qu'en se déplaçant de 2, il va pas pouvoir l'attaquer. Ben, c'est pas grave. Il se rapproche au max, ce qui fait qu'il bloque le passage et la prochaine fois, il fera en sorte de pouvoir attaquer. Bon. C'est une réaction un peu bâtarde, d'accord, mais une réaction quand même. Tout ça sous le tonnerre d'applaudissements de nos deux gus qui sont coincés de l'autre côté. Alors oui, ils sont coincés, je considère que là c'est beaucoup trop haut pour qu'ils sautent sur le terrain, hein, on est bien d'accord. Après, ça c'était le tour de Hakab sur le momentum. On n'a même pas encore fini un tour d'ailleurs. Sur le momentum, on a les gardes du temple qui ont 5 et Jukas qui a 5 aussi. Donc ce sont les ennemis en premier. 1, 2, 3, 4, 5. Venez là les gars. Tiens, mets-toi là. Alors toi, tu ne fais rien. Par contre, tes petits camarades. Toi, je vais le jouer propre. C'est à la fin de l'activation, c'est pas au début qu'il va tomber comme un petit une blessure. Et oui, à la fin de son activation. Bon bah, il va nous faire une action de fou. Il cible la soigneuse, il a juste à se déplacer de 1. Pour venir engager Alexandra, bon ça va pas durer, mais au moins il lui fait une belle attaque. Très très belle attaque de la part de ce joueur-là. Elle est protégée à 2. Alors attention, elle a des trucs sympas. Hein. Attaque physique, ok, ou à distance. Et plus 1 optionnique. Bon, là, le psionique, on s'en fiche. 3, 4, 5 dés. Et s'il te plaît, il faut d'abord te protéger en explosion équipement. Équipement. Pas d'explosion, elle ne peut pas relancer. Bon, elle se prend sa première blessure, 1 sur 5. Maintenant, elle se protège bouclier point. Bouclier point. Alors, point, 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 point. Mais pas de bouclier. Ah oui, d'accord. 2 sur 5. Comment on est faible en points de vie, c'est assez incroyable. En plus, eh ben, tiens, ma pauvre toutoune, c'est toi maintenant qui te prends le saignement. Lui, 4 et 1, 5 de saignement, il tombe. Et puis, il n'y avait pas un autre effet tant qu'à faire. C'est déjà bien, mais il l'a bien blessé hein, avant de tomber comme une crotte. Waouh! Allez, tournez-vous les filles, faites face au danger. On est à 4 contre 2, ce qui est, ma foi, fort raisonnable. Bon, ça va être vite vu, hein. On connaît la finalité, mais enfin quand même. Progressons, progressons. Jukas, tu peux donner de la relance à Andromeda qui n'en a pas, à Alexandra qui n'en a plus, pas à Akkad parce qu'il en a. Bien.
T'as pas fait grand-chose, mon petit Jucas. Alors écoute, attends, avant, regardons si tu peux agir normalement. Il te faut au moins une flèche. C'est bon, tu en as deux. Tu n'es pas gêné par l'oblivion. T'as 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je crapahute pour rattraper au moins le jeton des ennemis là. Première action, tu ramasses une ressource pour nous donner une cellule énergétique bleue. Puissance, si c'est utilisé avec un de nos objets. Ah, tiens, il a son plastron qui consomme une cellule énergétique bleue. Défausser une cellule après un test de défense, il peut relancer n'importe quel nombre de dés en étant obligé d'accepter les nouveaux résultats. Ouais, c'est sympathique. Ou bien l'effet instantané. Défausser la carte de cellule pour gagner plus 1 dé durant son activation. Ouais. Ouais. Ça, c'est ramassé. Super. T'as fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est tout. Il vient là, prêt à attaquer à distance éventuellement celui-ci, puisque Akab est déjà engagé au corps à corps là. Bah merci à toi, Jucas, tu auras été bien, bien opérationnel. Ici, phase 12 égale cycle 3, Alexandra. Alexandra, je lui fais perdre tout de suite à cause de son saignement. Elle passe à 3 blessures sur 5, ce qui n'est pas trop grave. Plutôt pas trop raisonnable. Je l'active déjà. Je lui cramerai bien 5 points d'une façon ou d'une autre. Hein. Donc vas-y. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui va provoquer un moment ou un autre certainement une réaction. On va voir. Tu nous fais quoi? 1, 2. Pour 2 points. Tu vas soigner avec ta compétence de premier soin en jetant 5 dés sur qui? Ah bah Akab est complètement soigné, Jucas n'a pas de blessure. Eh bah écoute, tu étais là. 1, 2, non, 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 ne soigne pas, surtout pas. Lui, ton chef de groupe ne bloque pas ta ligne de vue, donc fais-nous un tir dont tu as le secret là. Pour 3 points, puisque tu peux infliger le saignement. Elle tire à 5, on est bon. Elle rajoute 2 dés, doit obtenir des balles. Et elle relance sur l'esprit. Obtenir des balles. Elle relance sur l'esprit. On est comme ça pour l'instant. Lui vient d'être relancé, je ne peux pas. Lui n'a pas encore été relancé, elle dépense son jeton relance, justement. Allez, une balle. Non, il vient d'être relancé, je ne peux pas malgré le symbole esprit. C'est propre, hein. Protection 2. Protection en physique de 1 sur le garde, donc elle lui fait 2 blessures. Ça ne s'arrête pas là, plus l'effet saignement de son arme. Et voilà. Et si Alexandre inflige au moins une blessure avec une attaque à distance, inflige une blessure supplémentaire, boum! Et bah ça va devenir une brute de combat tir à distance. Excellent. Merci. Après, donc lui, plus de 2 points, il tombe. Et il m'en manque un là. Il y en a un qui est tombé au pied d'Alexandra, donc il a lâché un jeton butin. L'autre jeton butin était là, c'est Jucas qui l'a pris. Pour l'instant, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Il reste un point à Alexandra. Et gratuitement, avant de partir, bon, petit rembobinage des familles, hein, mais avant de partir, elle ramasse le butin, cellule énergétique rouge. Défausser cette carte de cellule pour gagner plus 1. Point d'esprit, ouais. Je les trouve pas géniaux, hein, ces cartes-là, pas géniales, pardon.
ces cartes-là, bon, ça viendra certainement quand on aura encore plus progressé. Impec, Alexandra, très très bien vu. Repos. On revient sur le momentum à Akab parce qu'il a 6 et après ce sera Andromeda. Akab a le droit de récupérer un troisième et dernier jeton de relance grâce à sa concentration. Bah finis-le, hein. Écoute, le gars qui est devant toi. Alors qu'est-ce qui serait intéressant là? C'est de ne pas trop cramer de points d'attaque. Tu nous fais d'abord, allez, tir de lame, distance de 1 à 4, tu es bon. Et tu dois obtenir des balles. Donc tu jettes 4 dés, vas-y, fais ça. Tu dois obtenir des balles. Il y en a deux là. Pas d'autre effet supplémentaire. Il repère un point de vie. Bon, bah lui, il va mourir. Crac. Alors là, il a fait 1, 2, 3. Il va provoquer une réaction à moins que. Maintenant, tu nous le finis avec encore 3 points d'action. Tu rejettes 5 dés cette fois-ci et il te faut des points. Ah ouais, t'es boosté, mon gars. Boum. 1, 2, 3. Voilà, il a consommé ses 6 et celui-ci de nouveau tombe. Alors, il tombe, oui, en de nouveau relâchant un autre butin. Que Akab ne peut pas ramasser parce qu'il n'a plus de points d'action. Super. Réaction de celui-ci. 1, 2, 3. Non, trop loin. Bah, nickel. Bah, c'est bien, ça tourne là. C'est gagné, hein. Bien sûr que c'est gagné. Ah oui, en plus, Andromeda va pouvoir agir. Du style 1, 2, 3, 4, 5. Juste ça. Pour permettre une provocation, une réaction de sa part. Ce qui fera quoi? Ben, ça fera que. Ouais, elle a 6 points de vie, elle est à 3 points de dégâts. Ouais, vas-y, protège-toi, jette 4 dés. Là, c'est peut-être la connerie de ma vie. Donc lui, il lui tire dessus. Hein. Ah, mais non, il lui tire dessus que dalle. Il réagit au corps à corps, bien évidemment. 1, 2. Maintenant, il lui fait une attaque normale. Elle se protège à l'équipement et à l'explosion. À l'équipement, donc j'en ai deux. Mais pas à l'explosion. Donc elle prend un dégât. Elle est à 4 sur 6 et l'effet pas cool, elle n'est pas immunisée au saignement, donc ah oui, oulala, dangereux. Elle se prend le saignement et lui vient de réagir. Waouh! Je ne le déplace pas sur le momentum puisque c'était une réaction. Là, j'accélère le mouvement, je risque de zapper une ou deux choses, mais soyons dingues. Je ne l'ai pas déplacé sur le momentum. 1, 2, 3, 4, 5. Elle a fait la réaction de celui-là. On est bien. Elle ne pouvait pas gagner de jeu. Ah si, elle pouvait gagner un jeton concentration. Ah bah alors attendez, 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 attendez. Dans ce... Concentration, mademoiselle. Dans ce cas, si elle a deux jetons concentration, elle va déjà en cramer un pour tenter l'explosion. Non. Elle crame le deuxième pour tenter l'explosion. Toujours pas. Bon, bah, elle a plus de jetons. Et non, j'allais dire mais. Non, il n'y a rien de mais. Ça reste comme ça. Plus de 2 points et elle sera pas bien. La demoiselle. Et lui n'est pas du tout blessé. On passe en phase 3 puis 4. Avec d'abord les ennemis. Lui n'agit pas. Bon là, il va falloir le calmer quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Jucasse. 1, 2, 3, 4, 5. Je considère que je vais le faire agir pour 5 points.
Je t'active et tu peux donner une relance à Andromeda, une relance à Alexandra. Et faut que tu attaques là, faut que tu fasses. En plus, t'es bien placé, faut que tu nous fasses de chouettes choses. Tu peux empoisonner uniquement si ça se transforme en attaque psionique. Tu peux empoisonner, il te faut ou de l'esprit. Ouais, t'es pas génial par contre. Si en physique, t'attaques à 3. Donc tu jettes 5 dés. Il te faut des points. De base, il te faut des points. Mais tu nous transformes ça en psychique. Ok, donc. Déjà, lui se prend une blessure parce que en psychique, il est safe. Maintenant, il devient aussi empoisonné. Et bah, c'est tout. C'est déjà bien. Une chose que je ne dois pas oublier, c'est que Andromeda est engagé au corps à corps avec celui qui vient de l'attaquer là. Et pour en finir avec Jukas, il faut que je lui jette son test d'oblivion avant, là, son test d'esprit, mais bon, ça c'est facilement rattrapable. Tout ça pour dire qu'en termes de blessure, c'est tout. Une blessure, un empoisonnement, ouais. C'est correct. Maintenant, on va voir si tu as une pénalité de carte. Non, de flèche. Sauf que, attention, on a dit que l'attaque là venait de se transformer en psionique, donc il a aussi un jeton Oblivion. Maintenant, il faut faire au minimum 2 flèches à chaque début de son tour. Bien. Jukas, c'est fait. Tac, tac. Ah, la Miss Alexandra. Je t'active, tu as une relance. Tu ne peux pas soigner Andromeda. Ok. Ah bah faut que tu tires. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Pas de ligne de vue de bloquée. Ton arme tire à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, pile poil. Waouh. Et il te faut des balles. Tu relances à l'esprit. Tu provoques du saignement plus une blessure grâce à ton explosion neurale. Est-ce que je vais me rappeler de tout? On y va dans l'ordre. J'ai dit qu'il me faut des balles. J'en ai qu'une. Elle n'a qu'un seul jeton relance. Attends, attends, attends. Elle relance à l'esprit. Oh là là! Jolie, elle peut relancer tout cela. De base. T'es pas cool, Ginette. Ah ouais, merde, mais alors on peut relancer qu'une fois, ça veut dire que je ne peux plus relancer et qu'elle nous a fait une grosse merde. Si, il y a l'empoisonnement. L'empoisonnement fait qu'elle a le droit au moins à un. Ouf! Oh bah purée. 2 balles moins un de protection, il se prend une blessure. Donc elle est à 2. Enfin, lui est à 2 blessures, comme elle vient de le shooter. Son explosion neurale provoque une blessure supplémentaire. Il est à 3 sur 5. C'était limite, très très limite. Je la déplace de 1, 2, 3 pour son premier tir. 4, 5. 4, 5, elle vient là, elle passe devant Akane. Ah, piou piou piou, Alexandra, merci. Donc, non, je ne fais pas de soin. Là, c'est certainement une grosse erreur de ma part. Après, comme elle vient de dépasser, comme elle vient de dépasser le jeton, lui est censé réagir. Sauf que il ne l'a plus en ligne de vue. Donc, ça ne change rien. On passe en phase 7 avec Andromeda. Ah ouais, alors elle, elle est gênée en fait. Parce que si elle veut attaquer avec son arme, c'est à distance. Bon, bah, ça va être le même cas de figure que tout à l'heure. Oh purée, on va certainement perdre Andromeda là, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que...
elle a déjà son jeton saignement. Elle passe à 5 dégâts sur 6. Elle est obligée de se désengager en consommant 2 points d'action pour reculer, pour se mettre à portée. Ça veut dire que lui va faire une attaque gratuite et ensuite il va réagir. C'est énorme ça. Bon, allez Andromeda, si sacrifice tu dois faire, c'est maintenant. Pour la bonne cause, on a dit qu'elle avait perdu 2 points d'action, c'est fait. Et en tout, elle en aura consommé 5. Bien. Elle se concentre pour récupérer un jeton. Elle attaque avec 2 dés de plus, donc elle attaque à 5. Obtention de balles plus des relances avec attaque soutenue. Obtention de balles. Enfin, ce ne sont pas des relances, ce sont des dés supplémentaires avec attaque soutenue, elle en a qu'un. Une balle plus de nouveau une balle. Est-ce que c'est suffisant? L'empoisonnement fait qu'elle a le droit de relancer un dé d'attaque. On s'en fout. Il est protégé de une blessure, il s'en prend deux. Alléluia, c'est la gagne. Parce que quoi? Parce que... Bah oui, il est à 3 sur 5. Fallait pas un point de vie de plus. Hein. Allez. Au revoir, je ne mets pas le butin puisque là, techniquement, je fais cesser le scénario. Un des rares scénarios où on arrive à être tous les quatre regroupés, on est en train de tirer la langue et de faire des grimaces aux guignols qui sont en face de nous. Bravo, 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 c'est un vrai boulevard pour rejoindre le Little Genesis. Et ça implique surtout une chose, c'est que puisqu'on a gagné, je peux bénéficier de toutes les ressources de la nouvelle zone. Ah, bah pour une fois, ça c'est pas mal. Donc la phase de colonie devrait être assez intéressante. On ne gagnera pas de points d'expérience parce que c'est une simple mission d'exploration. En cas de victoire sur une mission d'explo, bah c'est effectivement la zone conquise qui nous fournit ces éléments pour un ajout à notre réserve. Parfait. Eh bien, ma foi, c'était assez sympathique pour une mise en forme, là, une petite reprise après 8 jours d'arrêt de Ciné Tempore. Pour rappel... puisque j'ai intégré Reichbusters la semaine dernière dans la ludothèque, je vous ai dit que mon défi, là, ça allait être, quand j'aurai les règles à peu près bien, puis que j'aurai bien avancé sur les peintures ennemies, ce sera d'intercaler du ciné temporé avec Reichbusters et certainement avec une troisième campagne, histoire de varier les plaisirs et puis d'avancer sur différents jeux, comme ça peut être relativement sympathique. Bon, restons dans Ciné Tempore, j'espère que ça vous plaît toujours. Et puis on va enchaîner très vite avec la phase de colonie. Tous, à très vite les amis, à très vite les colons, salut salut.